Eh bien, bonsoir à tous, ici Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, on va parler de la raffinerie, mais avant tout, le Discord va bientôt arriver. Il sera prêt pour dans 2 jours, donc dans la prochaine vidéo, je mettrai le lien dans la description pour rejoindre le Discord. Et aussi, petite, astuce, etc. En clair, mon téléphone m'avait lâché. Et ce qu'il faut faire pour que justement... Si bah, tu perds ton compte parce que ton téléphone ne fonctionne plus, c'est que tu vas dans tes paramètres, dans réglages, donc général, tout en haut. Et après, tu as ton player ID, ou ID, c'est un peu ta carte d'identité de joueur avec des chiffres, des lettres. Là, je vais pas montrer les miens forcément. Mais ça te permet, si tout d'un coup tu te reconnectes sur un autre téléphone et tu as retéléchargé le jeu, tu envoies un message à Scopely. Depuis ici, bien sûr, etc. Je pense que vous avez déjà fait. Et ils peuvent ensuite te redonner ton compte sur l'autre téléphone. Donc ça, c'est un truc à faire. Téléphone, tablette, ordinateur, peu importe, tant que tu as le jeu. Et ça, c'est important de prendre une photo, un screenshot, et tu le sauvegardes à plusieurs endroits, sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Comme ça, tu le retrouves et tu perds pas ton compte. Ok, donc maintenant, la raffinerie. Donc ça paraît être un sujet relativement simple, mais il est plus complexe que ça. Et on va voir pourquoi. Donc elle est ici, on peut la débloquer au niveau 10, et à chaque fois que tu la passes de niveau, tu vas gagner des ressources, au début 2 étoiles et après 3 étoiles, que ce soit cristaux, gaz ou minerais, tout simplement. Donc il y a plusieurs types de raffinage, hein. Il y a les ressources, les 3 ressources que j'ai dit avant, 2 étoiles, les 3 étoiles, les parties de vaisseau, que ça il faut être plus haut niveau. Les ressources avec les essaims, les technologies Borg, le latinium. Donc on va commencer tout simplement par les premières. Les ressources 2 étoiles. Donc ça, quand tu auras des ressources 2 étoiles, c'est que tu mineras avec probablement ton Fortunate, peut-être un Envoy. Mais le plus important, c'est que tu peux utiliser plusieurs... coffre de raffinage, on va dire. Donc un où tu dépenses 3000, l'autre 15000, l'autre 50000. Donc quand tu as du 2 étoiles, lequel tu dois prioriser? Tout simplement celui à 3000 pour le 2 étoiles, ok? Parce que tu vas miner avec des vaisseaux qui seront pas capables de miner, on va dire, 30000 de chaque jour, tu vois. C'est pourquoi 30000 de chaque? Parce que on pourrait dire, enfin, si c'est pas intuitif, c'est qu'en fait tu vas faire un raffinage le matin et un raffinage le soir. Donc c'est 2 raffinages par jour. Et tu peux pas faire 2 coffres à 15000 par jour. De chaque, d'accord? Je peux pas faire, je peux pas miner 30000 de minerais, 30000 de gaz, 30000 de cristal avec un Fortunate. C'est-à-dire que moi je te conseille de faire 2 par jour à 3000 dans les 3. Avec un Fortunate, c'est possible. Même si ça peut prendre un peu de temps, mais c'est possible. Et pourquoi tout simplement 2 à 3000? Je dis que ça suffit totalement. Parce que à bas niveau, tu vas gagner beaucoup plus de ressources. Voilà, on peut voir qu'ici, je peux en gagner 600. Alors, je peux pas vous montrer, mais un truc qui est sûr, c'est que je peux pas en gagner 600 avec les 3 étoiles. Et ça, c'est justement pour compenser l'écart entre les petits joueurs et les joueurs plus élevés. Quand tu as du 2 étoiles, on t'en fait gagner plus pour que tu rattrapes un peu les gros joueurs et que tu sois pas à la ramasse. Ensuite, le 3 étoiles. Alors, tu peux faire un à 3000, il me semble, et un à 12000, d'accord? Par contre, quand tu as du 3 étoiles, moi ce que je te conseille, c'est de faire... Alors, tu peux faire un à 3000, un à 12000, un à 75000. Hein. Alors, j'ai pas dit, mais si tu as 50000, oublie-le, d'accord? Il sert à rien. À part si tu es un joueur 40 qui mine de 2 étoiles pour le plaisir, faire un à 50000 si tu as envie, mais ça, c'est pas intéressant. Pour le 3 étoiles, je te conseille 2 à 12000 tous les jours, matin, soir. Et c'est pour ça qu'il va te falloir aussi les vaisseaux avec, c'est-à-dire un très bon horizon, des recherches développées, un vaisseau de faction, que ce soit Antares, Kvort ou Valkis, pour pouvoir ensuite faire des économies, enfin des stocks ici en haut. On peut voir que je suis partout au-dessus de 1 million. Pour que tu sois jamais dans la mouise, on va dire, si tu as un événement de raffinage. Parce que les événements de raffinage, il faut que tu puisses dépenser, hein, sans t'arrêter vraiment. Parce que ça en vaut la peine. Ensuite, on peut voir que ici sur le cristal, j'ai plus 1. On peut voir. Alors,
qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les recherches primordiales de raffinage. Ah, je peux pas aller voir du coup. Bon, bah, je vais le finir. C'est pas grave. Je vais le montrer. Je vais montrer ce que c'est. Ça, c'est bien. C'est bien fait. Bien construit de la part de Scopely. On peut pas aller voir les recherches. T'as une recherche en cours. Ou je suis bête. Je suis sûr qu'il y a moyen. Peut-être que je suis bête. Donc, typiquement, c'est celle-là que j'ai pris. Moi, je te conseille un premier cristal. Si tu en prends une, ça te permet quoi? Ça te permet de faire un raffinage en plus, en quelque sorte. C'est-à-dire que typiquement, quand je fais un raffinage à 2, c'est 12 000. Mais là, à 3, ce sera 12 000. Alors, c'est dur sans image, mais ça en vaut clairement la peine. Clairement, ça vaut la peine. Ensuite, moi, je conseille cristal en premier, gaz en deuxième et minerai en dernier. Tout simplement. Parce que le minerai, moi j'en ai trop, et le gaz et le cristal, t'en as toujours besoin. Donc voilà. Ensuite, il y a plusieurs autres types de raffinage. Ici, c'est des parties de vaisseau, donc ça c'est pour les plus hauts niveaux. C'est-à-dire que tu peux tout simplement, quand tu tapes des vaisseaux de faction, bah, typiquement ici, ça va te faire drop des parties de vaisseau, il me semble, voilà, qui sont là. Ensuite, tu peux les raffiner pour les utiliser sur tes vaisseaux plus haut niveau, que ce soit par exemple le Bshor, l'USS Hydra et Danish puisque c'est, ou bien tout simplement le Jellyfish. Ça, c'est comme ça que tu gagnes des parties de vaisseaux pour les 4 étoiles. Ensuite, les essaims. Ça, pour gagner ces biominérales d'essaims, il faut que tu remplisses les missions qui sont là. Ici, ça va te donner des biominérales. Et ensuite, tu vas dans le raffinage et tu vas raffiner ces biominérales contre des ressources. Alors c'est assez intéressant, sincèrement, on va pas se mentir. C'est clairement intéressant. Peu importe ce que c'est un autre moyen de gagner des ressources. Technologie Borg. Comment avoir des nanoprobes? Tout simplement, tu prends ton Vidar, tu vas dans un système, Borg, hein, avec des nanoprobes, et tu tapes, et ça donne des nanoprobes, et ensuite tu peux les convertir, enfin les raffiner, soit ici en nanoprobes actives pour augmenter tes officiers Borg, soit en nanoprobes chargées pour augmenter tes vaisseaux, ton vaisseau Borg, ton Vidar. Donc là je te conseille de faire un coffre par jour à 20 000, les deux à 110 000, ça en vaut pas la peine. Ici, ça c'est bon, bah c'est les Ferengi Trader. C'est des dwarfs que tu trouves dans les systèmes Borg. Bon là, mais ils sont extrêmement rares, hein, c'est impossible que j'en vois. Hein. Ils sont extrêmement rares. Et ils te permettent ensuite, si tu as un peu de chance, d'obtenir des cellules rares qui te permettent d'aller dans les nouveaux systèmes Borg. Qui sont typiquement... où ils sont? Voilà, typiquement celui-là. Bien celui-là, Z Alpha. Voilà, c'est des systèmes comme ça. Non mais il y en a un troisième, mais je sais plus où il est. Ah bah il est là. Ici. Et c'est les systèmes de l'atinium. Tout aussi simple que ça. Et ensuite finalement t'as le latinium. Donc le latinium, tu le mines dans des systèmes de latinium. Voilà, que ce soit ici ou ici. Ou là ou là. Moi je te conseille de miner avec un Dvor, c'est le moyen le plus efficace de miner, sinon tu vois, tu mineras relativement lentement, 541 par heure, 528, puis là, 368, relativement lentement, et c'est pour ça qu'il faut un Dvor, vraiment, comme ça tu peux atteindre tes, alors moi je te conseille un raffinage par jour, tu utilises le Dvor. Et le Dvor, tu peux l'obtenir dans la boutique d'événements. Vraiment, on va pas se mentir, il est donné. Hein. 1 pour 300, c'est vraiment donné. Donc, tu peux aussi l'avoir à partir des coffres. Alors, où est-ce que c'est? Ici. Non, ici, là. Dans les coffres, voilà, de 30 jours, ici. D'ailleurs, j'aimerais voir par pur... curiosité, combien j'ai de devoirs avec les coffres. Ah, j'en ai quand même 20.
Bizarre, je pensais que j'en aurais un peu plus, hein, parce que je vais pas mentir, je pensais que j'en aurais un peu plus. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir pour la raffinerie. C'est quand même un sujet important, il est important de savoir comment raffiner et comment avoir ses ressources, parce que la raffinerie, voilà, c'est pas juste que les ressources 3 étoiles. Il y a plein d'autres fonctionnalités, les events de raffinage, on a eu les tribals pendant le 1er avril. Voilà, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc si tu as des questions, que ce soit sur la raffinerie ou autre, n'hésite pas à les laisser en commentaire et à t'abonner. C'était Daramenel sur Star Trek Fleet Command.